La Terre du Milieu connut la paix durant tout un millénaire après la perte de l'anneau unique et la mort d'Isildur. Mais Sauron n'était pas mort. Il se tairait juste dans les ténèbres. Et peu à peu, le mal se réveilla à nouveau. Arnor, royaume humain du Nord, gouverné par les héritiers d'Isildur. Cette terre de passion et d'espérance souffre de la mésentente des hommes incapables de s'accorder sur des différences mesquines. Aujourd'hui, ces querelles incessantes ont affaibli les Dunedain et divisé ces terres en trois royaumes. Rudor, le plus petit et le plus faible des royaumes Dunedain. Cardolan, gardien des anciens hauts des Galgal, où reposent les ancêtres du peuple des Dunedain. Et Arthedain, le plus puissant des royaumes du Nord, toujours gouverné par les héritiers d'Isildur depuis Fornost, la capitale. C'est pendant le règne du huitième roi d'Arthedain qu'un terrible mal se propagea dans la contrée d'Angmar. Une terre corrompue, gelée, qui s'étend au nord des Landes d'Éthen et qui abrite les Numénoréens noirs. C'est parmi eux qu'un mystérieux magicien aux pouvoirs extraordinaires est apparu, connu seulement sous le nom de roi sorcier. Il n'a pris la couronne de fer que dans un seul et unique but, détruire les Dunedain et leur royaume Arnor. Avant d'envahir Arnor, le roi sorcier a besoin d'un symbole pour unir les habitants fiers et intraitables d'Angmar. La légende dit qu'une immense forteresse des ténèbres se dressait jadis ici. Ses ruines sombres et silencieuses occuperaient encore les montagnes. La reconstruction de cette forteresse assurerait la domination de la couronne de fer sur les Numénoréens noirs et sur les trolls du Nord. Ici, au milieu des sommets obscurs, nous bâtirons une forteresse pour réduire en cendres le royaume du Nord. Cet endroit abrite un grand mal, en particulier les terribles Numénoréens noirs, des hommes qui possèdent des affinités avec les ténèbres et une passion pour la domination que nous devons maîtriser. Qu'est-ce que c'est ? Un troll guerrier qui se bat comme un épéiste confirmé. Il ferait un bon serviteur, c'est sûr. On va commencer. La couronne de fer. Ils sont perdus. Ils sont faibles. Trolls du Nord, quel bon vent t'amène jusqu'ici? Venu pour tuer homme au visage de fer, vivant dans vieilles ruines du Nord. Les trolls combattent les trolls. Rogash rassemble trolls et prend or et nourriture aux hommes des terres verdoyantes. Ton avenir est à mes côtés, Rogash. Et non à t'occuper des basses œuvres. Fais venir tes frères sous ma bannière, et l'or coulera à flot. Il y aura de la nourriture à profusion, et du sang pour ton épée à jamais. Tout le monde s'agenouille. Moi servir ténèbres maintenant. Suivez. Le nouveau maître parle. Les hommes vous incitent à vous battre entre vous. Mais si c'est le sang des hommes que vous recherchez, alors c'est exactement ce que vous aurez. Ce bâtiment est terminé.
Nos moulins sont attaqués! Vous pouvez soit perdre la vie, ou perdre votre âme. Je vous laisse le choix. Vos désirs seront toujours des ordres, terrible seigneur. Vous êtes brisé, mais n'ayez crainte. Je saurai faire de vous une épée digne de la couronne de fer. Tout Angmar est aujourd'hui rassemblé sous la couronne de fer. Des légions d'orques combattent sous le commandement du maître des esclaves d'Angmar. L'immense forteresse de Karndum ne cesse de grandir. Elle fera un sanctuaire parfait où le roi sorcier pourra exercer ses pouvoirs maléfiques. Le marteau est enfin forgé, prêt à écraser les héritiers d'Elendil et à renverser le royaume. Face à la tempête qui se prépare, le roi Argeleb d'Arthedain réclame le trône du royaume d'Arnor. Cardolan ne s'y oppose pas, mais quelques hommes des collines de Rudor commencent à se rebeller. Ils sont menés par Waldar, chef des collines secrètement allié à Angmar. Décidé à écraser cette rébellion, Argeleb fait arrêter Waldar et part aussitôt pour Rudor. Mais les forces d'Angmar sont prêtes et se dirige vers le plus faible des royaumes des Dunedain. Ainsi, c'est la soif de pouvoir d'un homme qui donne au roi sorcier une occasion inespérée. Et il s'empresse de la saisir des deux mains. Avant d'être fait prisonnier, Waldar est parvenu à rassembler des alliés dans les collines. À l'heure qu'il est, nos agents sont encore parmi eux. Il y a 4 villages d'hommes des collines de Rudor dans cette zone. Trouvons-les et tuons tous ceux qui refusent de rejoindre nos forces. Libérons Waldar de l'avant-poste d'Arnor au sud, avant de lancer la rébellion dans les villages. La plupart des hommes des collines nous rejoindront. Le roi sorcier est ici, et nous sommes de son côté. Marchons vers la victoire! Sera mienne. Ils sont perdus! Ils peuvent avoir peur! Ne vous occupez pas de ma proie! Pulvérisez-les! Waldar, le chef de la colline est libre! Mort au Dunedain! Maintenant que les hommes des collines se sont révoltés contre Arnor, il ne reste plus qu'à conquérir Rudor. Seuls 2 bastions à l'ouest se dressent encore sur notre chemin. Les maîtres des esclaves vont invoquer des hommes des collines rebelles. Dressez un avant-poste et montez une armée pour anéantir cette terre. L'ennemi attaque nos forces! Les ennemis approchent. Ne vous occupez pas de ma proie. Ils peuvent avoir peur. Ils sont en train de se faire.
vengeance. Hommes du Royaume du Nord, ce jour, nous allons détruire Angmar et regagner l'honneur des Dunedain. Les hommes au combat pour la victoire. Les hommes du roi ont un nouveau hall. Le hall des hommes du roi n'a jamais été aussi grand. L'ennemi est dans le camp. Le combat a commencé. Ce sont les nos forces sont attaquées. Pas de ma proie. Argeleb est tué, et son rêve d'un royaume unifié au nord se brise en même temps que son honneur sur les ruines de Rudor. Waldar devient un important commandant au service de la couronne de fer, pendant que son peuple vient grossir les rangs des esclaves. Mais malgré leurs blessures, les Dunedain ont encore des ressources. Les imposantes collines du Temps et la forteresse d'Amon-Sul forment un puissant bouclier et protègent Fornost et le cœur d'Arnor. Le nouveau roi, Arveleg, fils d'Arguleb, aidé de Cardolan et des elfes, réussit à contenir l'avance d'Angmar. Pendant de nombreuses années, une frontière résiste le long des collines du Temps. Grâce au pouvoir du palantir d'Amon-Sul, Arveleg a déjoué tous les stratagèmes et contré toutes les attaques. Le roi sorcier doit maintenant entreprendre une opération audacieuse et dangereuse, l'assaut direct de la forteresse d'Amon-Sul. Tandis que des forces sont chargées de divertir Cardolan et les elfes, l'armée principale attaque la forteresse. Amon-Sul n'accueille pas le plus vaste bastion de la Terre du Milieu, mais elle abrite une terrible puissance. Le grand palantir du Nord. Tant que cette forteresse tient, les terres de l'Ouest sont à l'abri de ma vengeance. Ça ne résistera pas longtemps, terrible seigneur. Nous devons frapper sans pitié. Les prétendants qui surveillent les remparts d'Amon-Sul ne sont pas des enfants de cœur. Ils semblent savoir comment utiliser leur bibelot. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils dirigent ces pouvoirs vers des malornes maudits.
Défendez les arbres, et leurs pouvoirs diminueront enfin. Notre camp est attaqué. Nos forces sont attaquées. Nous avons détruit la tour centrale. La puissante Amandsoul est tombée. La couronne de fer règne. La forteresse d'Amandsoul est vouée à la ruine. Sa garnison réduite, la grande citadelle du Nord ne peut affronter la fureur d'Angmar. Mais la victoire d'Angmar n'est pas totale. Arveleg est parti d'Amandsoul avec un trophée que le roi sorcier convoite plus que tout au monde. La chute d'Amandsoul porte un coup terrible à la détermination des Dunedain. Mais quelques courageux menés par Arveleg ont fui la forteresse avec le Palantir et se dirige maintenant vers Fornost. Rendu furieux par cette évasion, le roi sorcier envoie le lieutenant de Carm Dûm. Il lui intime l'ordre de retrouver l'orbe dérobée. Vite ! Ils ne peuvent pas être loin ! Le Palantir doit être mis à l'abri dans l'avant-poste ! Nous surveillerons la route pour couvrir votre retraite. Ils ont dû passer par là. Attrapons-les avant qu'ils n'atteignent la forteresse derrière les collines. Le prince ne doit pas rejoindre la forteresse vivant. Qui vais-je mettre sous notre bannière ? Je ne peux les combattre seul ! Stupide créature, je sais ce que vous voulez, mais vous ne l'aurez pas. Le sang a commencé à couler ! Retournez auprès de votre maître, et dites-lui que vous avez échoué. Non ! Je sens une présence funeste. Je suis le... Les forces de recherche étaient censées être là. Installons un camp et fouillons toute la zone. En marche ! Je sens toute la puissance contenue dans cet objet. Nous devons la porter au roi sorcier ! C'est là que les sentinelles ont vu un objet atterrir. Qu'est-ce que c'est ? Emmenons ça et apportons-le à l'avant-poste. Homme d'Angmar.
Le combat a commencé. Nous enverrons plus de patrouilles pour enquêter une fois revenus avec l'objet. Grandmar et Karmdoum. Combat sans merci. Grandmar et Karmdoum. Et du fer! Le sang a commencé à couler! Et du sang à flot! Guerre interminable! N'hésitez pas. Nos forces sont de nouveau avec nous. Appel de la couronne de feu. Combat sans merci. Le sang a commencé à couler. Nous avons repéré le camp ennemi. Ils vont détruire nos moulins. Continuez le combat sans moi. Nous avons désormais récupéré toutes nos forces. Je suis le premier homme du roi. Le combat a commencé. Nous marchons vers la victoire. Pour Rangmar. Ne peuvent plus augmenter. Les légions d'Angmar. Les éclats du Palantir sont encore très puissants. Pendant plusieurs centaines d'années, les Numénoréens noirs ont dominé les arts maléfiques. Désormais, ces sorciers cherchent à accroître et à concentrer leur pouvoir. En libérant une nouvelle terreur sur Arnor. L'armée d'Arthedain a été anéantie par la destruction d'Amon-Sul et du Palantir, mais Fornost résiste. L'armée et le peuple sont prêts à défendre la cité jusqu'à la mort. Mais le roi sorcier ne peut pas engager son armée dans un siège à Fornost et laisser l'ennemi attaquer à Revet. En effet, l'armée de Cardolan n'est pas à Amon-Sul, mais toujours sur le champ de bataille. Il faut donc trouver un moyen de la faire combattre là où le souhaite le roi sorcier. Le roi sorcier ordonne à ses fidèles lieutenants, Waldar et Rogash, de s'emparer de la terre la plus sacrée du royaume d'Arnor, les Hauts des Galgal. Craignant pour les tombes de ses ancêtres et de ses rois, Cardolan n'aura pas d'autre choix que de combattre. Sur ce terrain cher à ses ennemis, Angmar peut les anéantir et filer vers la victoire finale. Ici, au milieu des tombes des pères d'Arnor, c'est ici que nous devons pousser les hommes de Cardolan à nous attaquer. Le sommet des rois de Cardolan se trouve au sud-ouest. Waldar doit absolument y rester. Nous ne pouvons pas amener toutes nos troupes au risque d'effrayer le prince. Le reste viendra pendant la bataille et vous aidera à conserver le sommet royal. Nos forces sont attaquées! Faites attention, Pouilleux. Faites ce qu'on vous demande.
chef des chefs. Nous allons prendre. Les colis se vengent. Nous sommes la lame. Les ténèbres attendent. Combat au champ des cieux. Ils ne dépisteront leur visage. La guerre nettoie. Me voici. Que les fidèles de Cardolan rejoignent leurs ancêtres dans la tombe. Oligne n'est pas encore fini. Pour le roi des ténèbres. Le prince a été tué. Cardolan est entièrement à notre merci désormais. Partout où elle passe, les troupes sanguinaires dans le mar sèment la mort et la désolation. Cardolan est tombé. Il ne reste désormais plus que le royaume d'Arthedain. Les hommes sont responsables de cette situation. Leur indécision et leur désaccord les ont finalement menés à leur perte. Arnor est au bord du gouffre. Rudor appartient au roi sorcier. Cardolan affronte des hordes de réfugiés dispersés. Seul Fornost résiste encore entre Angmar et la domination totale du Nord. C'est du moins ce qu'il paraît. L'attaque de Foncombe a uni les bastions elfiques. Désormais, les elfes de Lindon, de Foncombe et même de Lorienne sont unis contre Angmar. Ils sont décidés à mener une attaque dont Angmar ne se remettra jamais. Terrible seigneur, bientôt la forteresse de Carndoom sera prise par les elfes et les hommes. Conformément à vos ordres, Rogash et les siens attendent que vous donniez le signal à l'ouest. Ils viendront dès l'activation du feu d'alarme. Nos éclaireurs annoncent l'arrivée imminente de Glorfindel pour l'assaut final contre notre forteresse. Ne dormez pas devant le troll. Notre camp est attaqué. Taisez-vous, larve. Ne vous arrêtez pas. Dépêchez-vous. Je sers désormais le roi sorcier. Le combat a commencé. Vous êtes prêts? Mon œil. À la citadelle! Aujourd'hui, Carndoom va tomber! Que ce soit solide! Nos ressources sont menacées. La bataille fait rage. L'ennemi est ici! J'ai de la pierre et du fer pour Angmar!
Mon heure. Rogash est de retour avec son armée. Ce bâtiment est terminé. D'après. Notre camp est Je connais les collines. Rogash est de retour avec son armée. Personne ne résiste à la puissance. La ruse du roi sorcier n'a d'égal que sa cruauté. L'arrivée au moment opportun de ses lieutenants a évité l'anéantissement de son armée. La couronne de fer a souffert de cet assaut, mais Angmar n'a pas été vaincu. Il lui faudra du temps pour retrouver sa puissance, peut-être suffisamment pour qu'Arnor renaisse. Mais le roi sorcier ne laissera pas une telle chose se faire. Les Dunedain d'Arnor pensent que l'attaque des elfes va leur permettre de récupérer. Le moment venu, Arnor pourra finir le travail commencé par les elfes. Mais ils n'imaginent pas à quel point la haine du roi sorcier est grande. Il envoie ses sorciers sur les sommets des grands rois d'Arnor. La profanation de cet endroit sacré risque de briser le cœur des hommes. Et pourtant, le roi sorcier a un projet plus sombre encore. Celui de répandre un fléau à travers les terres des hommes et des elfes. Nous revoici devant ces tombes anciennes. Il est temps de corrompre les âmes de ceux qui ne sont plus et de dresser cette terre tout entière contre les derniers fils d'Arnor. Nos sorciers doivent absolument se placer sur les sommets pour corrompre les tombes qui se trouvent en dessous. Mais le temps presse. Il nous faudra être maître d'un maximum de sommets pour accomplir le rituel avant qu'un nouveau jour se lève. L'un de nos sommets est attaqué. Nous attendons Je les bâtis ordres. À la gloire du roi sorcier. Appel de la couronne de fer. Nous combattons pour la couronne de fer. À l'assaut! À l'assaut! L'ennemi attaque nos forces! Ils attaquent nos moulins! Pour emballer vos rancards! Nous sommes assaillis! Nous avons besoin d'aide! Appel de la couronne de fer! En marchant vers la victoire! En marche! La bataille fait rage! Nous sommes l'âme d'Angmar. Nous devons marcher. Sont attaqués. Le rituel a commencé sur un sommet. Le combat du roi sorcier. Partez, ordure. Jamais je ne vous laisserai corrompre l'esprit de nos rois. Appel de la couronne de Personne ne va nous défier. Le capitaine d'Arnor aura été un adversaire courageux et résistant. Oublions les esprits poussiéreux de ces pitoyables rois d'Arnor. Nous allons plutôt récompenser le capitaine Carthaen. En achevant le rituel avec son âme. Le sang a commencé à couler! L'ennemi est ici! Vous ne me faites pas peur. Vous pouvez juste me tuer. Oh.
porte le silence. Le châtiment de cet homme est exemplaire. Son dévouement durant sa vie n'aura d'égal que son dévouement dans la mort. Laissez donc son âme torturée hanter les chefs de nos ennemis. Bien qu'il ait combattu avec un courage rarement égalé chez les hommes, le jeune capitaine d'Arnor connaît un sort pire que la mort. Et aujourd'hui, il serre la couronne de fer. Le redoutable fléau qui a frappé Angmar s'est répandu partout. Il a touché le cœur d'Arnor et a affaibli la défense déjà fragile des Dunedain. Mais le roi sorcier ne sera satisfait que lorsqu'il verra Arnor enfoui sous les corps et le sang de sa jeunesse. Cela fait de nombreuses années que le terrible fléau a ravagé le Nord. Dans le plus grand secret, les troupes d'Angmar ont été reconstituées et le coup de grâce est sur le point d'être porté contre le dernier bastion des forces d'Arnor, Fornost. Ses somptueuses flèches et ses murs indestructibles sont le dernier rempart qui se dresse entre le roi sorcier et la victoire totale. Mais les Dunedain ne capituleront pas aussi facilement. Ils ont rassemblé leurs armées et leurs alliés pour cette bataille. Le combat ultime et décisif pour le Nord est sur le point de commencer. Fornost, à la fois capitale des hommes et siège des héritiers d'Isildur. Mais avant tout, c'est un symbole pour les hommes. C'est un symbole qui doit être détruit. Je suis éternel. Les ténèbres attendent. Arnor a besoin de vous! Attaquez! Des hommes m'appartiennent. L'ennemi attaque leur force. L'ennemi est dans le camp. Continuez vers la victoire. Nous avons trouvé un camp ennemi. En marche, en marche. Nous allons cogner. Démolissez chaque pierre. S'est abattu et Fornost a été réduite en feu et en cendres. Arnor ne se remettra jamais de ce cauchemar. Et des milliers de cadavres gisent dans les rues. Le roi sorcier peut désormais étendre le mal dans les terres dévastées du Nord. Le mal est venu à Arnor et le mal a vaincu.
Après le triomphe ultime et sanglant du roi sorcier sur Arnor, le royaume de Gondor vit dans la crainte que la couronne de fer ne domine toutes les terres de l'Ouest. Les elfes et les hommes s'unissent pour chasser définitivement le mal. Éärnur doit mener les hommes. Les elfes demandent à Glorfindel, au seigneur de Foncombe et à Gondolin de les diriger. Et c'est ainsi que, suivant la volonté de mon peuple, j'ai quitté mon rôle de conteur pour prendre l'épée à nouveau. Accompagné d'Elrond, j'ai rejoint la bannière d'Éärnur. Ensemble, elfes et hommes vont chasser à jamais le mal du Nord. Nous n'allons pas seulement renvoyer le roi sorcier dans son repaire de Carn Dûm, comme nous l'avions fait naïvement dans le passé, mais nous allons détruire définitivement Angmar. Et cette fois, nous ne reculerons pas. Après un combat impitoyable, le roi sorcier a fui devant nos forces pour se réfugier dans les zones stériles d'Angmar, d'où il a entamé sa quête de vengeance. C'est ici que ses serviteurs et lui vont livrer leur dernière bataille. Ensemble, les hommes et les elfes mettront un terme au règne maléfique de la couronne de fer. Être vaincu. L'œil est fixé sur Foncombe, ne doit pas céder. Le mal serait pour vous. Vous êtes allé assez loin, petit prince. Rassemblez-vous, frère. Je répandrai votre sang encore chaud sur la glace d'Angmar. Envoyez-les à leur fosse. Leur cruauté cessera ici. Le gentil chien grogne. Son maître ne va pas vraiment être content. Nous avons tué le bras droit du roi sorcier, mais la vallée abrite de plus grands dangers encore. Avancez, élevez ! Voici l'ennemi ! Ils sont là ! Mon maître m'a ordonné de vous faire taire ! Suivez-moi ! Pour une mort éternelle ! Plus calme, enfant perdu d'Armor. Notre fer va apaiser ton âme, toi. Il a longtemps souffert, et il se retire désormais comme un vrai capitaine de Numenor. Nous avons accompli beaucoup aujourd'hui. Récupérer ces terres. Nous avons... Petit homme, aurais dû rester dans si démence. Regâche montrer la force des trolls. Ta force est grande, troll du Nord. Mais tu ne pourras pas nous arrêter si près du repère de ton maître. Ignoble créature. Nous ne
devons pas freiner. Les attaques, ce sera ici. Les attaques. C'était un adversaire vraiment redoutable. Espérons qu'il n'y en aura plus jamais d'autres comme lui. Nous avons des porte-étendards. Nous ne pouvons les voir d'ici. Les voilà. Que faisons-nous? Maintenant que ses serviteurs sont perdus et son royaume en ruine, le roi sorcier daigne enfin se montrer. Les légions de mort d'Arnor paient en silence ma vengeance pour l'éternité. À présent, leur sort sera le vôtre. Les matériaux de construction. Détruisez cette bombe diabolique! L'ennemi est sur nous! Retournez dans l'ombre! Ne doit pas céder. Rassemblez vos forces. Les serviteurs de Sauron s'arrêteront ici. Restez coupés. Le roi sorcier a enfin été vaincu. La paix est revenue sur cette terre. Nous devons ne faire qu'un. L'espoir vit. Le temps du sang et de la souffrance est terminé. Angmar est vaincu. Comme de nombreuses autres cités d'Arnor, elle est en ruine, et ses espoirs de conquérir l'Ouest sont à jamais anéantis, pour la plus grande joie de la Terre du Milieu. Lors de la bataille finale, le roi sorcier chevauchait son cheval noir. Alors que notre armée avançait, il réalisa que tout espoir était perdu. Et tandis qu'il se retournait pour fuir dans les ténèbres, son terrifiant cri de rage nous glaça alors le sang. Et Arnur s'élança pour le poursuivre, et je réalisai alors sa force. Nous ne voyons jusqu'alors en lui qu'un puissant Numénoréen noir. Mais c'est un Nazgûl, le premier des neuf, le lieutenant le plus fidèle du Seigneur des Ténèbres Sauron. Je levai le bras et appelai Éarnur. Laisse-le partir, il ne reviendra pas sur ces terres. Son sort est déjà scellé, et il ne mourra pas des mains de l'homme.